Allez, petite pause, on manque un round 2 sur l'extra cash. Alors, vu qu'on avait 9000 balles, on va pouvoir tenter éventuellement une petite prise de risque. Avec des spins à 100 balles, allez go. Alors, c'est pour avoir un maximum de wild, un maximum de éventuellement bonus free games. Espérons ne pas se faire défoncer la balance. Fais-moi le coup du triple scatter. Parce que là, avec des mises à 100, il suffit d'une bonne série de spins perdants. Puis ça se soldera par une jolie tarte sur la balance. Alors, 3 rounds de free spin de gagné sur le round 1. On va voir sur le second round si on peut éventuellement faire mieux. Alors, 240 ici. Pas de deuxième scatter, ni de troisième. Alors, on est passé en dessous du chiffre 8. Allez, go, go pour le respin. J'espère qu'il va me prendre le troisième. Dalle. Eh ben non, malheureusement. J'espère que ça va pas prendre une plombe pour que le jeu me prenne des 3 scatters. Pas tarder à passer en dessous du chiffre 7. Alors le petit bonhomme, ça fait un petit moment qu'il balance plus de joker aléatoire. Passage en dessous du chiffre 6 pendant pas longtemps. Sauf s'il y a une remontée improvisée.
Ouais, c'est l'appel du chiffre 5, malheureusement. Voilà, ça y est, on y est. Alors, les trois scatters. On les voit pas souvent sur ce round 2. Ah, pas de deuxième, pas de respin, donc pas de troisième. Alors, est-ce que c'était une mauvaise idée d'enquêter un round 2 sur ce jeu? De toute façon, c'est toujours des questions sans réponse. C'est aléatoire, soit ça paye, soit ça bouffe tout. Alors, les scatters, ça serait sympa s'ils pouvaient se manifester. On va très probablement bientôt basculer sur un chiffre 4. Alors, respin, si seulement ça pouvait être le bon respin. Mais ce jeu-là, il balance tellement de leurre sur les respins que je ne me fais pas d'illusions. Et alors, vous avez vu, et voilà. C'était joli. Allez, chiffre 4. Alors 4005. Alors, comme ça va être joli ce triple leurre. Alors leurre numéro 1, leurre numéro 2. Eh ben non. Eh ben 4 scatters, on dirait qu'il m'a entendu râler. Alors 12 free game, ça c'est cool. 4 scatters, 3 scatters c'est 8. Allez, il faut un max de jokers d'entrée, histoire que ça ramène du lourd à chaque respin. Allez, balance du joker. Un petit peu par là, sur le rouleau 2 serait pas mal. Allez, déconne pas, balance-en, on est qu'à 820 de win pour le moment. Allez, parfait, 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 deux jokers en plus. Et allez, un petit troisième. Il reste 5 free games. Alors, est-ce qu'on va faire une belle remontée avec tout ça? 800 balles, 4 free games de restante. Allez, balance encore du joker. Petit joker en plus serait pas de refus. 2330 de win ici. Et parfait de chez parfait. Balance à 5 chiffres. Et un big win sur la dernière free game. Et voilà, Mister Joker, il a fait son taf. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jokers. 9000 balles de gagné au free game. Mise à 100, certes, ça commence à coûter cher, mais au final, ça a bien raqué comme il faut. Alors, voyons voir. Je pense qu'un arrêt de partie serait pas une mauvaise idée. On va quitter ce jeu-là, peut-être faire un petit retrait partiel parce que si on peut éviter les torchats total, ce serait pas une mauvaise idée. Et on verra sur les parties suivantes si Madame Chance sera encore au rendez-vous. En tout cas, là, sacrée performance de Mister Joker, c'était pas mal. Et ouais, qu'on a du Joker comme ça d'entrée sur les free games, c'est du big win à chaque respin. Bon, bah sur ce, fini la tchatch, petite pause, éventuellement reprendre une partie peut-être un petit peu plus tard, on verra bien.
Sur ce, la bise à tous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!